Salut, c'est Kaskel, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox. Aujourd'hui, on est sur FBA. On aurait pu être sur MAME, hein, étant donné que j'ai fini la série des FBA. Mais j'ai eu une idée pour une nouvelle série. Je me suis dit, tiens, si je présentais sur une vidéo, comme ça, 2-3 jeux, je sais pas exactement combien je vais en mettre, avec à chaque fois un overlay fonctionnel, hein, comme celui-ci. Il se trouve que celui-là, je l'ai fait moi-même. Enfin, en tout cas, la partie centrale est de moi. La partie gauche et droite, l'arrière-plan et la partie boisée, j'ai récupéré ça sur un autre overlay. Je suis désolé pour la personne qui a fait ça. Je ne sais pas où j'ai récupéré ça. C'est des screenshots des images que j'ai trouvées comme ça sur Google Images. Je ne saurais pas dire qui a fait ça à la base. Donc voilà, dans cette série, je vous présenterai certains overlays ne seront pas du tout de moi. D'autres le seront peut-être complètement, mais la plupart seront peut-être comme celui-ci, c'est-à-dire un mix de tout ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que ça, c'est une photo d'un mur où il était jamais bien, parce qu'il était plein de graffiti. Donc je me suis dit, voilà, je vais utiliser ce mur-là pour faire un overlay. J'ai rajouté le Crime Fighter et le Konami, voilà. Enfin bon, je vais m'arrêter de parler, je vais quand même présenter un petit peu le jeu. Donc là, comme je disais, on est sur FBA, j'aurais pu être sur MAME parce qu'il tourne sur les deux de toute façon. C'est un jeu qui est précurseur des jeux comme Street of Rage, ce genre de jeu. Voilà, alors bon, maintenant graphiquement il a pris un petit goût dans la gueule, hein, on va pas se le cacher. Donc on a coup de poing, coup de pied, on ne saute pas. À moins peut-être avec les deux boutons, faudrait que je regarde. Allez, vas-y, défonce-le. Ouais, avec les deux boutons en même temps, en fait il fait une espèce de coup de pied. Bam! Coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied! Et en fait, le jeu est pas mal du tout, hein. C'est dommage pour les graphismes. Voilà, tiens. Allez, je me recule. Ya! Hein, tu faisais le malin, hein? Alors, je crois que le panneau là, si je me rappelle bien, il peut tomber. Je le savais, je le dis. Enfin bon, c'était marrant, donc c'est pas grave. Voilà, hop, on avance. Pareil que ce que je faisais avant, hein. Je vais faire un crédit, après je passe à un autre jeu, et on regardera juste pour l'overlay, hein. Dans un sens, peu importe que le jeu soit bon ou pas. C'est pas parce que moi je trouve un jeu mauvais ou que je n'aime pas un jeu que ce sera le cas pour vous de toute façon. C'est toujours difficile de juger qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui ne va pas plaire. J'ai hésité à présenter Crime Fighter quand j'ai fait la série des jeux sur FBA. Pour finir, je l'avais pas fait, mais c'était donc l'occasion de me rattraper en le refaisant ici. Ouais, bon, là, j'ai un peu foiré. Je vais le mettre sur le côté. C'est dommage, puisqu'on n'entend pas les bruitages. Enfin, en tout cas, j'ai peut-être mis le son trop bas, je les entends pas. Peut-être que vous les entendez. Que comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, hein, comme je. Bon, voilà, je suis game over. Comme je joue avec un micro-casque sur la tête, et pour éviter d'avoir un retour, je mets le volume de ma télé pas trop élevé, de façon à pas avoir d'écho, quoi. D'écho des bruitages du jeu. Voilà, on passe maintenant au jeu suivant. Je ne sais pas encore ce que c'est, donc ce sera une surprise. Voilà, on passe du tout au tout, hein. On n'est plus du tout dans un jeu de combat, cette fois-ci on est dans Frogger, donc je mets un crédit, voilà. Le but est simple, faire traverser la route et la rivière à notre grenouille. Et je trouvais que ce jeu était tout de suite vachement plus sympathique avec son overlay attitré, on va dire. Ah non, non! Ouais. Yeah! Ah, je suis pas si mauvais que ça. Ah non, mais il y en a qui disaient... Non, c'est pas vrai. Ah, bon, ok, on recommence. Non, j'ai été trop loin. Si, bon, d'accord, je suis mauvais, je le sais. Non! Bon, ben voilà, c'est game over. Ça a été vite. Je vais en refaire une. Je pense que je vais faire que deux extraits par vidéo. Il y aura donc deux liens en description, hein, pour les overlays en question. Et ça se fera comme ça, deux par deux. Je pense que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, ça passe. Vite, 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 vite.
Non, non, oh là là. Alors, c'est très con comme jeu, hein. C'est très simple, mais ben c'est chouette, quoi. Et c'est quand même le principal. Et c'est pas si facile que ça. Non, 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 non. La route, ça va. La rivière, c'est déjà nettement plus chaud. Évidemment, avec les tortues qui retournent sous l'eau, hein, c'est des traîtresses, celles-là. Enfin, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je vais sûrement en tourner une deuxième là dans la foulée. Hein, donc. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!